Étude de limite de fonction avec le théorème de comparaison. Alors, trouvons la limite de f de x qui est égale à x puissance 3, facteur de 5 plus cosinus 2x. Pour tout x, on a appris au moins depuis la seconde que cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc cosinus 2x, pas de panique, cosinus 2x, c'est aussi compris entre moins 1 et 1. Je vais rajouter le plus 5 de chaque côté. Donc je vais avoir cosinus 2x compris entre 6 et 4. Je vais multiplier par x au cube. Alors je l'ai pas dit, mais on va d'abord faire la limite. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est ça notre question. Donc du coup x il est positif. Donc, fois x au cube avec x positif. Donc ça fait 4x au cube. 4x au cube. X au cube, facteur de 5 plus cos 2x, enfin égal à 6x au cube. Donc maintenant, on va devoir choisir le bon côté. Donc, quand c'est en plus l'infini, on va prendre ce côté-là. Je vais travailler sur la limite ici. Car le théorème de comparaison, en formation, théorème de comparaison, si j'ai deux fonctions v de x qui est plus petit que f de x avec limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, alors si là j'ai plus l'infini, alors ici j'aurai le plus l'infini grâce au terme de comparaison. Donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini sera égal à plus l'infini. Donc ça c'est notre terme de comparaison. On va tester. Donc, je vais faire la limite de 4x au cube quand x tend vers plus l'infini. Plus l'infini au cube, ça fait plus l'infini, fois 4 plus l'infini. On en déduit. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini sera égal aussi par plus l'infini par théorème de comparaison.